C'est la même chose. Moi, faut m'expliquer le phénomène ça bien. En allant la parole. En allant la donne. Je vais vous côté m'bralé. À ce soir, après-midi avant. Mais suivez-moi. Parce que je me sens que je côté. Seigneur, celle qui connaît qui bon. Et je vais demander qui bon. En allant. Nous prenons Genèse chapitre 2. Parce que je suis en train de parler des gens qui mourent, des gens qui mourent et des gens qui vivent. Et vous comprenez tout pourquoi on sait des gens. C'est zombies mrelio. Peut-être que vous pensez que l'autre monde zombie s'insulte, son bêtise. Vous dites ou pas dire une bêtise, non. Vous pas dire une bêtise. Parce que la Bible dit. La Bible traite les gens en zombie même. Mort. Ce n'est pas jouer ou jouer, ou pas insulter. Mais sauf que vous faites le connaître, pas vivant. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous faites le connaître qui grand esprit qu'il besoin dans lui qui pour rendre vivant. Et tout le monde qui n'est pas vivant, depuis mon amour, est-ce que j'ai l'ouvert? L'homme mon amour, je l'ai pas ouvert, depuis j'ai le fermé. Dès j'ai le fermé, depuis le mourir. Kou esprit rentre dans lui, esprit a ouvert les yeux. Donc elle dit kou pa gen Christ, des jours fermés ou mouri. Et c'est pas l'autre raison fait jour fermé, c'est parce qu'ils sont zombies, sont morts. Donc on a besoin de Christ qui pour réveiller, qui pour faire, qui pour ressusciter pour. On a Genèse chapitre 2, puisque je vais expliquer au Colossiens 2, 12 là, pour me tomber dans Colossiens 3, 4 là, pour comprendre ça. Parce que sous-pas, autant de monde qui a Christ qui a rendez-vous avec Christ qui a rendez-vous avec monde, met l'esprit dans le lit. Parce qu'il n'y a aucun monde qui a l'esprit Christ qui a attendu, qui a présent dans l'enlèvement. Il n'y a pas invité. Et démagogie, il va continuer à faire démagogie. Mais Christ n'a pas invité dans l'enlèvement. Quand il y a monde qui a dit, je ne vais pas prendre Magdala bête moi-même, je ne vais pas prendre Magdala bête. Ou qu'on est. Dieu soit loué que Magdala est prédestiné, a dit le destiné, le monde qui peut prendre, le destiné pour le prendre. Il dit, mais voler pomper la prendre quand même. Et qu'on aura quoi? Analyser, conduire tout, façon à vivre pour ouais. Est-ce que c'est le monde qui souhaite? On a le bon partager avec vous pour capable ouais, côté Mbralia, démonstration, je voulais faire avant là, sous base texte là. Et c'est ça que je dis oui, dans l'église traditionnelle là, ou pas joindre yon. Pasteur protestant a prêché ou a transmettre la parole pour la dire l'église a gardé texte là en analyser le ensemble en gardé texte là l'église non pas quand un protestant non mais ça pas n'importe dit ça fille tu dis fais bruit fais pile bruit relamer parler pour et critiquer gouvernement parler politicien mal c'est que ça c'est réglé ou même en aller nous-mêmes nous pas gain temps pour politiciens nous pas mis la politique nous avons enlèvement nous n'a géré ça fait l'enlèvement n'a préparé déjà nous connaissons pas passer dans monde là et nous connaissons tout ça qu'a fait dans monde là tout c'est normal c'est correct parce que Seigneur a déjà dit nous ça nous pas égaré dans zombie en aller l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ou te dire qui ça le former l'homme non lui former l'homme ça veut dire là dit l'homme. Ça dit l'enveloppe. Comme Somme 103 dit là. Hein? L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Hein? C'est un néant. C'est un vapeur. Et c'est pas pour, il parle là pour longtemps. Raison l'expression de Jésus-Christ, fils de l'homme. C'est-à-dire, hein, l'homme temporaire, l'homme passager. Et il parle là pour longtemps, il dépassage, l'homme missionnaire. L'expression de fils de l'homme, le fils de l'homme. Ok? Donc, il tire de ça. Temporaire, passager. Elle dit, il parle là pour tout le temps pour le capable de transmettre tout ça. C'est passé la passé. Et on compte combien de temps il te fait. Donc l'homme créé avec poussière terre là. Et c'est raison ça qui cause que toute exigence que la terre baille est attachée à chair. Parce qu'elle sortit dans la terre.
C'est parce qu'on fait avec poussière terre qui cause que quand on demande une série de bagailles que l'évangile pas bail doit aller, que Dieu pas d'accord. C'est parce qu'on fait toute sortie dans terre. Exigence ça yo. Et ça veut dire l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme animal là tirait besoin de la terre. L'homme spirituel là lui-même, lui tirait besoin pas d'en haut. C'est ça la différence. Il y a un homme qui nourrit en bas, il y a un homme qui nourrit d'en haut. Nous-mêmes, nous devons nourrir nous d'en haut. Et du moment qu'on nourrit en bas, ça montre qu'on mourit. On mourit. Donc, Dieu formait l'homme avec poussière la tête, c'est-à-dire enveloppe là qui relie l'homme, non. Avec poussière la tête. Et c'est normal que Jésus-Christ y aurait le fils de l'homme. Parce qu'il lui-même tout le gros enveloppe. Qui est l'homme. Ok? Et c'est à travers enveloppe ça que Dieu présenté à l'homme. Et ça qu'il dit fils de l'homme. Ok? Fils de l'homme. C'est-à-dire l'enveloppe qui porte. L'enveloppe qui engendre. L'enveloppe qui présente, l'enveloppe qui révélait image de Dieu. Une image spirituelle que nous pas de kawé, le fils de l'homme. Donc l'enveloppe révèle, l'enveloppe qui permet à Dieu de nous parler face à face. Parce que si où est Dieu a mouru, donc l'homme permet à Dieu de nous parler face à face. Et ça veut dire, sous blasphème contre le Fils de l'homme, ou pas de pardon. Mais sous blasphème contre le Saint-Esprit, ou pas de pardon. C'est normal. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu direct. Le Fils de l'homme, c'est Dieu sous une forme. Pour permettre qu'il accède à elle. Parce que pour accéder à elle, ou accéder à elle en tant que Dieu dans toute gloire, la pété fiel ou. Il souffla dans ses narines, pourquoi? Parce que les dieux formés enveloppe là, qui c'est l'homme, enveloppe à pour qu'on gagne vie. C'est formé le flamme encore, il forme enveloppe. Qu'on a pour enveloppe ça fonctionner, Dieu obligé souffler. Qui ça a soufflé? Lui souffler la vie, lui souffler l'esprit l'homme non. Parce que l'esprit c'est la vie, l'esprit c'est vie. L'esprit l'homme c'est lui que la vie qui cause l'homme fonctionne. C'est-à-dire l'esprit Adam c'est lui qui la vie qui fait enveloppe qui relie l'homme qui contenu l'esprit a. Fonctionner. La vie, ce n'est pas enveloppe là. Mais c'est l'esprit à qui la vie. L'homme on dit m'gè la vie, ça veut dire qu'il gagne l'esprit. Parce que s'il pas gagné l'esprit, il n'y a pas qu'à ouvrir bouche pour gagner la vie parce que automatiquement enveloppe là pas fonctionné. Il est net. Quand on nous a dit, Jean 6, 63. La chair ne sait de rien. Ça veut dire l'homme ne sait de rien. Ça veut dire c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire c'est l'esprit qui rend chair la vivant. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire Dieu soufflait, lui soufflait esprit et vie dans l'enveloppe. Ou bien dans l'homme. Ou bien dans la chair qu'elle formait avec la poussière terre là, ou bien dans l'homme, l'enveloppe là. Et même côté, enveloppe là pas fonctionner. C'est à ce moment que enveloppe là vient s'arrêler yon être. Et ça qu'on pas qu'à dire yon moun son être vivant s'il pas gen l'esprit dans lui.
Et ça fait, lorsque Dieu parle fait choix de l'homme, Dieu non seulement transmet l'esprit, l'homme qu'il t'a créé dans l'éternité, dans l'enveloppe, mais après Dieu parle seconder l'esprit de l'homme par son esprit, pour permettre que l'homme reste sous l'autorité de Dieu, sous la dépendance de Dieu, sous le contrôle de Dieu, pour différencier l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme animal, il est dirigé par un autre esprit qui seconde lui. Éphésiens 2. Esprit qui fonctionne dans le monde là. Regardez, oui. Avant que Dieu souffle dans la narine de l'homme, est-ce que l'homme doit être? Regardez bien pour vous, oui. Regardez bien. Regardez le texte bien pour vous. Disons que Dieu forme l'homme. Autrement dit, Dieu forme l'enveloppe là. Autrement dit, Dieu forme chez l'homme. Et puis il quitte là. Dieu n'a pas soufflé. Est-ce que l'homme vit? Non. Est-ce que l'homme sont être vivant? Non. Qui est l'homme pour être vivant? Les Dieu pour le souffler. À cette époque, Dieu, ou à ce moment, ou à cette dispensation-là, l'homme est automatiquement sous la dépendance de Dieu, secondé automatiquement par l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons prendre sur le plan spirituel, mais ma fine clé sous partie physique là d'abord, pour capable comprendre. Et on va comprendre qui ça fait l'homme dans son zombie lié l'élpage l'esprit bon Dieu. Parce que pendant l'homme non vivant, il y a deux vies à gérer. La vie de l'homme en tant que l'homme et la vie de l'homme en tant qu'homme spirituel. C'est-à-dire la vie dirigée, secondée par l'esprit de Dieu. Et lorsque l'homme prend le péché, prend la séparation totale. Et c'est là où il y a deux peuples tout. C'est là où il y a deux esprits pour le second de l'homme. L'homme dit second de l'homme, il y a un esprit pour le diriger l'autre esprit. Il y a un autre esprit qui a dirigé l'esprit de l'homme. Et enveloppe l'homme, non? Il n'y a pas quel esprit là-dedans. C'est Dieu qui crée l'esprit qui enveloppe l'homme, qui fait l'homme non vivant. Mais après le péché, l'homme libre. Il y a deux hommes. Il y a deux femmes. Il y a deux esprits. Il y a l'homme animal. Secondé par l'esprit du malin, et l'homme spirituel secondé par l'esprit de Dieu, ou bien dirigé par l'esprit de Dieu. Ou bien Jézabel, ou bien Sarah, ou bien Abraham, ou bien Akab. Deux hommes différents. Ou après chaque homme ça yo, madame yo accordé avec yo. Et ou après tout ça dépend de origine femme non? Et tout ça dépend de origine homme non? Pas jamais oublier que papa Jézabel te relait El Baal.